Ça prend pas la tête à Papineau pour choisir des superstars. Lambert, Asselin, Morrison. Et là, j'arrive aux deux gars qui me tracassent. Qui c'est que je prends? Martin ou Mercure? Ça, c'est votre problème. Vous connaissez vos hommes. Je sais que je les connais peut-être trop. Marc? Ben là, écoute, on a perdu Templeton à Team USA, là, Lambert à Team Canada, puis là, tu veux un autre joueur du National, tu sais. Calme-moi pas. C'est nos négociateurs, là, nos grosses têtes d'eau qui ont décidé de céduler un tournoi en plein milieu de la saison. Mande-y à Mike. Non, moi, ça me prend Mercure pour fournir Lambert. Ah, c'est ça. Prends Mercure, puis trouve-toi un autre coach. Comment ça va ressembler? Si tu veux que je te dise, moi, j'ai besoin d'offensive. À moins que tu veuilles jouer devant le Colisée vide tout l'hiver. Bosse à parler. Bon, ben, il reste plus rien qu'à réunir tout ce beau monde-là à Québec pour le départ, pour plus vite. Oh, ça, c'est impossible. Certains joueurs vont partir individuellement. J'ai besoin de ces gars-là en Suisse au plus sacrant. Moi, j'ai rien qu'un mois pour les entraîner pour en faire un club qui a de l'allure. Gilles, tu lis pas les journaux. Il y a une vague de terrorisme en Europe en ce moment et les joueurs ont peur de voyager en groupe. Et je les blâme pas. On n'en parle à personne. Ça, ça reste entre nous. Mais le rendez-vous pour le camp d'entraînement est à Fribourg, en Suisse. Bon, là, là, vous direz à votre boss à l'usine que je ne peux pas avoir personne qui arrive en retard à une pratique, comme je ne peux pas avoir personne qui part avant la fin d'une pratique. Puis vos scènes de niaisage dans les autobus comme hier soir, quand on vient de se faire planter par une équipe de quatrième place, c'est la dernière fois que je vais entendre ça. Dans les autobus, je ne veux plus rien entendre. Compris? D'abord, sachez que je suis très content que vous soyez là. Bon, les fleurs. Pour Aster? Je viens de vous entendre leur parler. On ne sait pas que vous êtes un peu dur, non? Vous avez peut-être entendu le parler. Mais vous n'avez pas pu jouer, par exemple. Écoutez, ici, on est en Suisse. Le hockey, c'est un jeu, pas un métier. Puis vous, à quoi vous jouez? Je peux parler une minute? Pas longtemps, Pierre. J'ai beaucoup de travail. Viens. Tu n'as plus de raison de venir me voir à l'hôpital. C'est fini entre nous, tu le sais. Je suis venu te dire que tu m'auras plus des jambes. Je pars pour l'Europe de la Coupe du Monde. Alors je te souhaite un bon voyage du fond du cœur. Je voulais dire que je te regarde, puis je sais que j'ai mes torts. Recommence pas. Peut-être quand je vais revenir. Je t'ai beaucoup aimé, Pierre. On a fait un bon bout de chemin ensemble, tous les deux. Toi dans le hockey, moi dans la médecine. Et j'oublierai jamais ces merveilleux moments qu'on a passés ensemble tous les deux. C'est fini maintenant. Et je reculerai pas. Prends pas et oublie-moi. Je ne veux pas que tu souffres. Belle game, les gars. Merci de l'avoir gagné, ça tombe bien, c'était ma dernière. Demain, je pars avec Team Canada. Même en Europe, on va penser à vous autres. J'ai eu des traits, les gars. Vous avez un nouveau coach? Merci. Les gars, vous me connaissez, je suis pas fort sur les discours.
On se verra demain en pratique. Yo, Mac. Bonne game, Denis. Je fais mon possible. Ce serait le fun si tout le monde en faisait autant. C'est ici que tu te caches de ton affreux métier. Tu n'es pas invité à entrer. Marc Gagnon, Marc Gagnon. Chevalier de la glace, et aussi un gentleman, mais à l'aube de sa carrière... Tu manques vraiment pas de culot, toi. Venant d'un journaliste au sport, je prends ça comme un compliment. Vie privée, profession, c'est pas du tout la même chose. Tous ces éloges pour Marc Gagnon, vie professionnelle ou vie privée? Jaloux? Jaloux, non. Pour être jaloux, il faut avoir possédé avant. Bien ici. Oups! Excusez-moi, je suis pas là. Faites comme si j'étais pas là, dérangez-vous pas. J'ai été obligé de t'emprunter ta robe de chambre, j'aurai pas la mienne. Tout va bien. Tout va très bien. Je m'en vais, il y a d'autres chambres. C'est qui? T'attendras quelqu'un d'autre? Non, non. Rentre. Qu'est-ce que tu regardes? Il est quelle heure? Minuit. Comment ça va, Pierre? C'est quelque chose à boire, Pierre? Ouais, on va prendre une bonne bière. Si je dérange. Ça va être ta soirée, mon Pierre. Que tu veux. Pierre, t'es bon au hockey. Puis tu baises bien. Mais comme travailleur social, tu me fais penser à ma mère. De toute façon, je pense que si je t'écoutais, je finirais comme elle. Bien fine, bien bonne, puis bien folle dans un hospice. Avec personne qui vient la voir, parce que de toute façon, on ne les reconnaîtrait pas. Je me suis juré que je finirais pas comme elle. J'aime mieux être une étoile filante qui brûle par les deux bouts qu'un pétard mouillé. Ah, pas comme ça. Pourquoi tu penses qu'on est ensemble? On est pareil. T'as 10 ans pour faire ta marque. Quand tu vas en avoir 33, là, les journalistes vont commencer à parler de ta retraite. Toi non plus, t'as pas beaucoup de temps. Hein, mon beau? Qui c'est qui te prend? Pierre, arrête! Pierre! Mais je vais le passer conscient! Réveille-toi, Dominique!
T'en vas déjà? Il reste encore du jus? C'est bon. Et Boris Vassiliev, son épaule était de remise. Ah oui, complètement. C'est ce que vous affirmiez lors de la rencontre au sommet à Québec. Ah oui, il avait réussi à me le cacher, mais cette fois, je lui ai fait passer tous les tests deux fois. Il est au sommet de sa forme, croyez-moi. Et vous, docteur, est-ce que vous êtes au sommet de votre forme? Je me porte bien, merci. Et comment va Madame Maussia Guilbeault? Je me demandais aussi pourquoi vous m'aviez convoqué. Elle est ravissante, n'est-ce pas? Et d'origine russe, c'est ce qu'on m'a dit. À propos, il vous a écrit. Et... j'espère vous voir en Suisse. Mais moi aussi. Vous croyez que de la voir peut être répréhensible? Au contraire, docteur Kazanovski. Nous voulons que vous soyez vu avec elle. Après tout, c'est la femme du coach de Team Canada. Je ne vois pas le rapport. Vous ne voyez pas le rapport. Je veux que vous soyez vu avec elle dans un endroit public. Nous nous comprenons, docteur. Ou préférez-vous ne pas faire ce voyage? Hé, qu'est-ce que t'en penses? Ah, là, t'as l'air d'un vrai coach. Parfait, ça. J'espère m'en gagner mon premier match. C'est facile. T'as juste à faire comme Jacques Mercier. Tous les coachs mangent de la gomme. En tout cas, avec un assistant comme toi, je suis sûr que je vais me perdre. Les gars, j'ai passé 14 ans assis dans ce vestiaire-là avec vous autres. Mais là, c'est fini. C'est bien correct comme ça. Il y a une affaire que je voudrais régler tout de suite en partant. On n'est plus des coéquipiers. Je suis votre coach, puis vous êtes mes joueurs. Rentrez-vous ça dans la tête, puis... ça va bien aller. Il y a une affaire, par exemple, qui n'a pas changé. J'haïs ça, pardon. OK, à soir, c'est la dernière game de Lambert, Asselin puis Martin. Ils s'en vont avec Team Canada. Max s'en va avec Team USA. On va en profiter. Première mise au jeu. Denis, tu joues avec Lambert et Steve. Mac, je vais défendre avec Bob. À soir, les gars, on va aller chercher notre première victoire ensemble. Hey! Coach. All the way. All the way, le gars. Yeah, all the way, all the way, all the way, all the way, all the way.
Vous n'avez pas à me rappeler l'influence politique de notre équipe nationale de hockey et l'impact de nos victoires. Je vous parle en tant que l'entraîneur. Si mes joueurs se sentent surveillés plus que d'habitude, cela peut affecter leur rendement et l'issue de la rencontre. Je vous demande d'être extrêmement discrète. Natacha, je vous présente Kamara Michlev. C'est notre nouvel attaché de presse. Il travaillera en étroite collaboration avec vous. Je vous laisse faire connaissance. Nous nous reverrons dans l'avion. Voilà dans une position privilégiée, Natacha. Vous connaissez ma véritable identité. Vous pouvez me faire confiance, Tavarish. Vous n'avez rien à m'apprendre? Pas encore. Si vous deviez me décevoir, je serais désolé que vous n'obteniez pas ce poste à New York. À 2 minutes 30 de la fin du match, Morrison et Harvey méritent des punitions de match. Rappelons que le compte est égal 2 à 2. Et bien pour sa première partie comme coach, Marc Gagnon devra-t-il se contenter d'une nulle? Avantage numérique pour les Bruins pour les deux prochaines minutes. Les Bruins contrôlent le disque dans le territoire du National. Ils mettent beaucoup de pression. La passe au centre, le tir hors cible. La rondelle dévie dans le coin gauche. Les Bruins... d'une minute à faire en troisième période et moins de 30 secondes avant la fin de la punition à Pierre Lambert. Sacrement, t'es chanceux de partir pour la Suisse, hein? Qui l'a gagné à la game? Laisse faire ça! C'était pogné le cul toute la veillée. En plus de ça, tu t'en vas pogner une punition stupide 2 minutes avant la fin de la troisième période. Tu voudrais peut-être que je te félicite? Lâchez-moi donc. Pierre. Je vais te voir dans mon bureau. Moi. Qu'est-ce que c'est que ça?
La Chine, c'est après la Coupe du Monde. Tu m'aimes? Tu me promets qu'on parle pas de travail? Oui, mais est-ce que tu m'aimes? Bah, bien sûr que je t'aime. Prends le valise et tire-toi. M'as-tu compris? Lui, c'est le coach. Toi, t'es le joueur. T'as affaire à y parler, tu fais ça en privé, pas devant l'équipe. À moins de vouloir être échangé. Compris? J'entends rien. Oui, compris. Puis laisse tes problèmes personnels dans le vestiaire. Puis quand t'es sur la glace, y a pas d'excuse. Tu joues ou tu joues pas. Puis si tu joues pas, tu nuis à l'équipe. Marc, c'est peut-être ma faute. Je t'ai trop gâté à cause de ta mère. Assis-toi, j'ai pas fini. Mais crois-moi, ce temps-là est terminé. OK. M'a traité comme un fils. Et je t'avertis, m'a être deux fois plus dur avec toi qu'avec les autres. Ton problème, là, Pierre, il est entre les deux oreilles. C'est un problème d'attitude mentale. Tu penses que l'équipe devrait exister pour toi? Ben, c'est toi qui devrais exister pour l'équipe. T'es chanceux de t'en aller en Europe. Parce que si tu restais avec Gagnon, lui, te garderait sur le banc. J'y compte le but gagnant, puis Charles. Moi, j'appelle ça de la jalousie. Mais sacrément, je parle-tu d'un tambour? Ton petit trip de superstar, il est fini. Débarque. Débarque parce que sans ça, ça va aller mal. Puis pas que tu parles au gars qui est responsable des échanges. Puis crois-moi, il y a personne d'irremplaçable. Personne. Ouais, ben si c'est comme ça, remplace-moi là en Europe parce que moi, je vais pas. Compris? Monsieur Snyder, je voudrais vous parler. Oui, dans l'avion, s'il te plaît. Il faut que je règle une chose importante avant le départ. Moi aussi, j'ai quelque chose. Pourquoi moi? Pourquoi moi dans l'équipe? Est-ce que je le mérite ou c'est mon père qui a poussé l'affaire? Ce n'est pas très flatteur à dire, tu sais. Je suis d'abord un coach et un très bon coach. Alors tu viens me dire que tu es là parce que l'argent de ton père m'a influencé, j'ai bien compris? Écoute bien ce que je vais te dire, mon gars. Chaque joueur sélectionné par moi dans cette équipe mérite de l'être. Toi, tu fais partie de la sélection au même titre que n'importe quel joueur, mais au moment du match, tu vas me donner ton maximum et tu vas oublier que tu as un père. Est-ce que c'est clair? C'est ici que j'ai grandi, avec mon grand-père. Je me souviens quand il m'a offert ma première moto. Je l'ai encore. Suzy, je t'aime. J'ai vraiment envie de tout partager avec toi maintenant. Tu vois, une limousine ne va pas plus vite qu'une voiture. Ça commence mal. En retard le premier jour. Et Snyder, qui n'est pas de bonne humeur, il va me tuer. Gary, c'est pas important ce que pensent les gens. Ne t'occupe pas de ça. Ah oui? C'est sans doute pour ça que tu as comploté dans mon dos pour la sélection. Je n'ai pas comploté, mon gars. Je n'ai pas influencé Snyder. Je n'avais pas à le faire. Il t'a choisi. Bien sûr. J'aurais mieux aimé qu'il me le dise à moi. Tu sais, je ne suis pas à la hauteur des autres joueurs. T'as pas de mémoire. Comment je t'ai appris à nager? Je t'ai jeté dans le lac. Tu as appris. Alors, tu ne vas pas laisser passer une chance comme celle-là. Tu la prends et tu fais de ton mieux. Et fais bien attention à ton œil. OK. We'll be right back.
J'ai dit 9h, je crois. Tu veux jouer ou tu veux pas jouer? Excusez-moi. Good luck, Snyder. C'est ça ton équipe, Jim? On n'est pas tous dans le même avion. Il y en a qui sont déjà rendus à Mirabel. Ah, c'est nouveau, ça, Jim? C'est une décision de la direction. Mais c'est toi la direction, Jim. Linda, j'avais du jour donné, là, hein? Oui. Prendons une résolution. Très bien. Mais Pierre Lambert, lui... Demain. Il arrive demain. Ça aussi, c'est nouveau, Gilles. C'est une décision de l'association des joueurs. En autant que je suis concerné, ma job commence le jour d'ouverture du camp d'entraînement à Fribourg, Suisse, Europe. Excusez-moi, M. Guilbeault. Où est Pierre Lambert? Un autre comme toi? Dis-moi, Gilles, il est où, Pierre? Coudonc, Gilles, veux-tu bien me dire ce qui est passé le chat? C'est un con. Ouais. Non, c'est qui pas? Il est donc bien bête. Gagnon, trouve-moi Lambert au plus sacrant et envoie-moi la Fribourg. Ça presse. Hein? Ben oui, bonne année, hein? Bonne année. Où est-ce qu'il est, Pierre Lambert? Hmm? Je dis où est-ce qu'il est, Pierre Lambert? Comment se fait-il qu'il n'est pas dans le même avion que nous? L'habitude, l'équipe voyage ensemble, non? Ah, Linda, on quiche là que la poulie, là. Hein? Hmm? Lâche la grosse histoire. Pas si t'es au courant, mais c'est le temps des fêtes. Hein? Peut-être que toi, t'aimes ça le passer tout seul, tu sais, mais il y a certaines personnes qui aiment ça le passer en famille. Justement. Et dans l'avion, sa famille. Pis, grosse tête. C'est bien pour toi, mon petit pète. Écoute, Linda, je sais pas ce qui arrive à Pierre, puis si je le savais, j'irais pas le dire à un journaliste. Heureux de participer à la Coupe du Monde? Je pense que c'est un honneur d'avoir été choisi. Je considère que c'est un grand moment dans ma carrière, puis je vais faire de mon mieux. Es-tu heureux? Toi, Linda? Hey, t'es chanceux, toi, hein? Moi, je suis pogné pour suivre Timmy Wessé en Allemagne. Ouais, puis tu vas venir nous rejoindre à Paris. Hein? Coupe de petit party, place Pigard, petit peu de champagne. Tu aimes ça? M'intéresse pas, moi. Voyons, coupe de petite parisienne. Hein? T'as dit, t'aimeras pas ça, je crois. M'intéresse pas. Ah, tu vas pas commencer à nous casser les oreilles avec ton espèce de Jojo trois couleurs, toi, là? Hey! Hey, t'as-tu un parachute, toi? C'est aussi bien de t'en trouver un, parce que deux, trois jokes de même, tu vas en avoir de besoin. T'en faire un, moi, trois couleurs. Dans la reine, les popsicles. Popsicles. Les photos de Pierre Lambert sont vraiment réussies. Lambert, c'est un street. Il aime le hockey, puis il aime sa blonde, puis il aime la bière. Puis toi, qu'est-ce que t'aimes? Moi, ça n'a pas l'importance, ce que j'aime. On s'ennuie en première classe? Je suis venu te dire que je descends à Paris. J'aimerais ça que tu m'accompagnes. Non. Aujourd'hui, je dois être à Fribourg. L'un de le camp d'entraînement à Fribourg, c'est mercredi. Ce serait merveilleux de voir Paris ensemble. Écoute, Eric, j'ai tout fait pour obtenir une entrevue avec Sergueï Koulikov. J'ai nullement l'intention de l'arrêter.
J'espère qu'ils vont pas changer d'idée à la dernière minute. Tu sais, t'avais plus d'ambition que ça avant. Qu'est-ce que tu fais avec ça, toi? Mais c'est ma copie. Il y a un certain souffle. Pourquoi as-tu abandonné? Je comprendrais pas. T'as peut-être raison. Et je me suis trompé d'adresse aussi. Je pensais que tu aurais peut-être une idée. Mais je ne sais pas où il est et qu'il fasse sa vie et qu'il me laisse tranquille. Non, mais peut-être qu'il pense que vous deux, ça a des chances de recommencer. Non, c'est fini. Et dis-lui de ne pas revenir parce que s'il revient, je serai obligée de lui dire. Il va peut-être me laisser tranquille. Dire quoi? Que je suis enceinte de Sylvain Brisson, l'homme que j'aime. Si jamais tu lui dis ça, appelle-moi, OK? Je viendrai ramasser un morceau. Oh. Oups! Oh. Non. Tu peux pas arrêter 5 minutes. Allez, bois. Jim. Suzy, il faut que je te dise quelque chose. Qu'est-ce que tu dirais si, après la Coupe du Monde... Oh, mais dis-le! Non, mais arrête, je peux pas. Patrick! OK. Arrête, sois sérieux 5 minutes. S'il te plaît, écoute-moi. Miss Suzy Lambert. Arrête, écoute-moi. J'ai l'honneur de requérir votre main en mariage. Juste après la Coupe du Monde. Mais je peux pas, je m'en vais en Chine. Mais la Chine, c'est pas grave, moi je viens avec toi. Suzy. Merci, monsieur l'homme. Bon après-midi, hein. Alors, ma décision est prise. Je reste ici. C'est pas en m'en allant que je vais te regagner. Ne fais pas ça. Ça ne sert à rien. Écoute, ne me force pas à te dire des choses qui pourraient te blesser. Qu'est-ce que tu peux me dire qui va me blesser plus que je suis blessée maintenant? Ben voilà, Pierre, je... Je me sens tellement bien. Je pourrais danser toute la nuit comme ça. Demain, il faudra remettre le masque. Quelle folle j'étais. Je croyais que tous mes problèmes pourraient se résoudre avec une promotion. Tu peux garder un secret. Sur ma vie. Tu vois, je pensais que si j'avais mon poste à New York, je pourrais avoir le meilleur du monde capitaliste, tout en restant communiste d'appartenance. Maintenant, je me rends compte que je me mentais à moi-même. Je cherchais qu'à fuir la Russie. Est-ce que c'est si mal de vouloir vivre ailleurs? Vouloir une autre vie. Au contraire, il faudrait être anormal
pour ne pas songer à partir d'ici. Alors toi aussi? Enfin, y songer seulement. Pour ce qui est de s'échapper, c'est impossible. Allez, allez, j'ai envie de danser avec vous deux. Viens. Un jour, nous serons tous libres. Le trouver tendu dans un banc de neige à côté de son auto. Il aurait pu geler là. Je m'en occupe. À quel âge, celui-là? Alors, tu as bien transpiré tes péchés? Ah, trop vieux, j'en fais plus. Du jogging ou des péchés? Des péchés. Mal gagnant, pas appelé? Non. Gilles, dis-moi maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Mettons que on a eu une discussion orageuse. Il m'a menacé de ne pas participer au tournoi. Je l'ai pas cru. J'ai pas pensé qu'il serait assez fou pour ça. Maintenant que je l'ai pas vu à l'aéroport, ben... Enfin, où est-ce qu'il peut bien être? Simplement disparu. Si on le retrouve pas vite, ben ça va sortir dans les journaux. Pierre m'inquiète depuis un mois. Tu comprends, toute sa vie, il a gagné, il a été le héros. Un champion comme lui, on a l'impression qu'il n'arrive pas à encaisser le choc de la séparation avec Lucie. Pour la première fois de sa vie, c'est pas lui qui décide. Ben, Lucien, je te cache pas que ça va être plus difficile. T'sais, il y a un beau caractère de cochon. J'en connais un autre comme ça. Je dirais que c'est un gars qui, devant une épreuve, il sait pas comment réagir. Oh. Ah, les enfants. Il me faut prendre un coup de vieux. Et Suzy qui se marie. Je n'attendrai pas que je sois grand-mère l'année prochaine. Tu me vois, grand-mère? Tu dois être la plus belle. Oh, écoute, va prendre ta douche. C'est ça. Dis-moi que je peux. Regarde. Tu ne vas pas leur parler en plein jour. J'ai rien à cacher, rien à perdre. Il faut attendre. Pierre Lambert n'est pas encore arrivé. C'est peut-être mieux ainsi. Bonjour, amateurs sportifs. Quelles nouvelles ce matin? D'abord, des nouvelles fraîches. Où est Pierre Lambert? Il n'est pas en Europe et s'il est à Québec, il est bien caché. Personne au national ne veut confirmer où il est. Et le coach Marc Gagnon
n'apprécie guère de se faire éveiller aux petites heures du matin par votre humble serviteur. Comme vous le savez tous, nos glorieux joueurs sont tous partis séparément en Europe. En effet, nous avons appris de sources sûres que la Ligue craignait que la publicité autour de la Coupe du Monde pourrait faire de notre équipe une cible idéale pour des attaques terroristes. Ça en dit long sur le courage de nos vedettes. Ici André Simon. Où es-tu, Pierre Lambert? Et comment tu te sens? T'étais pas beau à voir hier, mon vieux. Heureusement qu'il n'y avait pas de journaliste autour. Moi, ma femme m'a quitté parce que je buvais trop. Tu commences à te saouler d'abord parce que t'as de la peine. Ensuite, parce que personne ne te comprend. Là, tu vois plus clair, alors tu continues. Pour voir si quelqu'un va t'arrêter. Puis, si quelqu'un t'arrête, ben, il n'est plus ton ami. Pense-y. Ah. Patricia m'écrit une longue lettre. Elle me parle de toi. Dit que tu t'ennuyais de moi. Je peux entrer. T'as pas l'habitude de te gêner? Paris m'a paru vide sans toi. Je me demande ce que je représente pour toi. Écoute, Pierre. Je suis pas venu ici te faire la morale. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. J'aimerais ça qu'on oublie tout ce qui s'est passé entre nous autres puis qu'on recommence à zéro. OK? Bon, regarde bien comment ça va marcher. Si jamais tu rencontres les journalistes, tu lui dis que t'as retardé ton départ d'une journée parce que t'avais un mal de dents. Puis il fallait que tu vois ton dentiste personnel. On l'a appelé, il va dire la même chose que toi. Il va même t'envoyer son bill. OK? Bon. Attends. On va. On s'en va à l'aéroport. Quel beau t'attend Fribourg, en Suisse. C'est un gros tournoi, Pierre. Montre-le que t'es le meilleur. Mes bagages. Ils sont à l'aéroport. Ah, je voulais te dire aussi, Lucie.